Allons-y. Alors, si tout va bien, j'ai rebranché le micro correctement, ça doit fonctionner. J'ai un peu jonglé hier, hein, avec les réglages du micro. Oui, savoir si Monsieur Philippe fait des rêves ferroviaires, ou si c'est encore un projet secret caché dans la pile des projets. Donc, ouais, ces temps-ci, j'ai eu à réfléchir à cette histoire de micro. Il y avait Aurélie qui posait des questions sur le matériel et je disais que j'étais bien content de mon petit micro que je vous montrais exprès aujourd'hui là. Donc c'est un Behr du M1. Je trouvais que la qualité sonore était excellente, mais je me suis retrouvé avec pas mal de bruit que j'avais du mal à filtrer et après j'avais des artefacts, enfin bref. Et en faisant le malin, bien entendu, et en donnant des conseils, je me suis rendu compte que je ne les appliquais pas à moi-même et j'avais beaucoup trop de gains sur le micro. Donc là, aujourd'hui, je vous fais un live avec le micro direct sans aucun filtre, mais j'ai un peu diminué le gain au niveau du micro lui-même, donc ça devrait produire un peu moins de souffle. Il faudra quand même que je rajoute une petite réduction de bruit, et puis ma foi, ça devrait aller. Alors, Bibox, le colis est arrivé. Est-ce que je peux cocher une croix sur achat déclenché pendant un live et achat reçu pendant un live? Il n'y a pas cette case dans les streams Twitch, dans les objectifs. Donc aujourd'hui, je voulais. Ça tombe bien, j'ai reçu entre-temps un colis que j'attends depuis un petit moment, un projet Kickstarter fait par Brandog. Brandog, ils font pas mal de choses. Un partout pour les dépenses, c'est exact, c'était un peu de ta faute tout ça au départ, Bivox. Donc Brandog a pas mal de projets qui sont quand même souvent liés à soit les écoles, l'éducatif, en tout cas l'apprentissage, et ils ont un système, je vais vous partager ça tout de suite, on va commencer avec ça. Donc le système qui est derrière, c'est ce qu'ils appellent les Crazy Circuits. Et le principe des Crazy Circuits, c'est d'avoir ce que vous voyez ici, à savoir un système de cartes électroniques et de composants qui vont être pluggables sur les systèmes Lego et les connexions vont pouvoir se faire. Là, c'est ce qu'on voit un peu ici. On va vous montrer un peu derrière ce qui se passe exactement. On câble avec un scotch conducteur qui passe sur les briques ou sous les briques, peu importe, et qui fait la connectivité aussi. Et là, ils viennent de sortir, c'est de ça que je vais vous parler. Ils ont fait il y a quelque temps un projet que j'ai backé sur Kickstarter, pardon, qui était une bitboard. Le principe étant d'avoir donc une connectique pour une carte micro:bit qui soit donc qu'on puisse bloquer et fixer sur une plaque de Lego. Et qui offre un certain nombre de connectiques, donc pour des servomoteurs en l'occurrence que vous voyez au milieu, un bornier pour directement piloter un moteur, il y a un système de relais possible aussi, enfin, il y a un certain nombre de choses. Et donc ben, j'ai craqué et j'ai financé et je viens de le recevoir. Donc je voulais vous montrer, on va faire comme ça pour pas tout mélanger. Ah, le son est un peu trop faible. Ah mince. Alors, je peux vous faire ça en direct, parce que j'ai peut-être un petit peu exagéré. J'ai vraiment réduit dans un premier temps le gain dans les réglages sur le Mac. Mais ouais, c'est vrai que ça fait peut-être un petit peu juste. J'ai poussé dans les cams, mais ça n'a pas suffi. Alors, est-ce que je peux faire un petit peu mieux? Hop. Histoire de bien se marrer, je peux pas toucher les réglages. Le Mac a décidé qu'il voyait aucun périphérique en entrée. Est-ce que ça améliore un peu? Je suis pas sûr là. Je suis pas certain d'avoir réussi. Super, génial. Ouais,
Ça, c'est une grande première pour moi. Il voit plus le système. Il voit plus le périphérique d'entrée. Bon, c'est pas grave. On va faire avec ça. Je vais parler un peu plus fort. J'ai une grande gueule, ça devrait passer. Et voici l'arrivée de Padawan Patrice. Je vous en parlerai dans 2 minutes de ce qu'on a fait hier. Donc là, je vais tout de suite basculer le setup là, pour vous montrer un peu. J'ai pas les moyens d'avoir deux caméras Sony en même temps, bien sûr. Donc je vais juste muter et vous devriez pas avoir mal de mer parce que je suis repassé sur la webcam en attendant. Je vous bascule en vue au-dessus du bureau. Un petit peu trop zoomé quand même. Donc au niveau du son, ça devrait aller mieux si je fais comme ça. Voilà, je me suis approché du micro là pour aujourd'hui. On va faire comme ça. C'est peut-être aussi bien. Tant pis, vous verrez plus souvent mon micro. Donc voilà le kit que j'ai pris. Il y avait plusieurs possibilités. On fera un petit tour rapide là du projet Kickstarter si vous voulez, mais j'ai pris ce qu'ils appellent le Classroom 7 et c'est censé contenir donc la beadboard pour la connectique, un certain nombre de capteurs à la sauce Crazy Circuits et du scotch conducteur, une plaque et une micro bit en l'occurrence V2, ça m'en fera une deuxième, comme ça je pourrais faire des trucs un peu nouveaux avec deux maintenant micro bit V2. Voilà. Et comme ils avaient atteint un certain nombre d'objectifs, il y avait un petit rouleau supplémentaire de scotch conducteur, donc on va pouvoir y aller. J'aime bien la petite boîte de rangement. Pour comparaison, Patrice, sache que même si on sort les choses, on peut tout re-rentrer a priori dedans. J'en profite pour signaler que je fais un unboxing et que j'ai plus de 40 ans. Avis à celui qui passe son temps sur Twitter à regarder visiblement des unboxings en les critiquant. Qui critiquait quelqu'un hier sur Twitter, j'ai fait une remarque, il l'a mal pris tout de suite. C'est pas grave. T'inquiète pas, je te lis plus sur Twitter, je t'ai mis en haine de mon garçon. Donc on va faire quand même un unboxing, mais j'ai quand même joué un peu avec, faut que je vous l'avoue. Donc il y a tout de suite une petite. Première carte qui vous donne un schéma et puis les nommages des différentes broches et de ce qu'il y a sur la beadboard. Quelques petits conseils d'utilisation. On voit ici une petite explication sur la façon d'utiliser le scotch, où il faut en avoir suffisamment pour que ça puisse se pluguer entre les plots des briques Lego, mais pas trop pour pas que ça aille bien sûr toucher une autre connectique. Un rappel de comme ces conducteurs d'éviter de faire un court-circuit, que ce soit directement ou en croisant des pistes. Ils ont une nomenclature où la partie blanche est généralement c'est la partie qui doit être la connectique de masse ou de pôle moins. Et puis on a ouais plus de 40 ouais. Un 10,91 ma foi. Je sais pas, hier j'ai vu passer des remarques qui m'ont beaucoup fait sourire. Pourtant j'avais demandé innocemment si c'était un problème. Ça a agacé. Un petit schéma. De petits montages que vous pouvez tout de suite essayer, il vous montre à la fois à chaque fois c'est bien je trouve il y a le vrai schéma électrique et puis ce que ça représente avec les équipements Crazy Circuit. Donc voilà, il y a tout un tas. Je ne veux pas vous faire perdre du temps aujourd'hui à faire avec du scotch et tout ça, mais je voulais quand même vous montrer rapidement comment ça fonctionnait avec un exemple qu'on utilisera pour certains concepts avec Patrice. Oui, les plus de 50 peuvent rester, sinon je vous signale que cette année je vais finir par m'auto-éjecter de mon live à ce moment-là. Donc là, Patrice, tu vois, là, c'est aussi un truc qu'on fera
avec ton kit, la manipulation d'un servomoteur, mais je trouvais rigolo de vous montrer ce que ça donne. Voilà. Tac. Exactement, je pense que tu as tout à fait résumé la situation. On est une bande de vieux en train de mater un unboxing d'un outil pour gamin. Mais comme je suis moi-même un gamin, je m'en fous. Donc voilà la carte. Donc normalement, hop hop hop, évidemment, comme dirait Bonaldi, ça marchait à la démo, ça marche plus maintenant. Hier, j'ai changé le settings et on avait un zoom qui marchait mieux automatiquement. Bref, voilà, ça va faire comme ça. Donc on a une connectique pour carte microbit. On a ici une succession, là c'est les formats qu'on va retrouver, je vais vous le sortir, qu'on va retrouver par exemple sur un servomoteur, mais il y a d'autres systèmes comme ça qui utilisent en fait trois broches normalisées avec, on a ici un moins, un plus et puis la broche de commande. C'est exactement ce qu'on utilise sur un servomoteur comme ça à trois points. Voilà. Exactement, Bibox. Tu crois que je peux souder les gros trous là, que je vais y arriver? Je serai toujours un éternel gamin, 10,91 bien sûr. Donc voilà, il y a quelques avis au dos hein, qui rappellent de ne pas faire n'importe quoi en termes d'alimentation, de. Parce qu'il y a la possibilité. Alors j'ai pas encore lu la doc pour savoir comment c'était câblé exactement. Voilà, c'est en haut, donc allez, je dis une bêtise. Je l'ai mélangé. Il y a un côté où j'ai un. Il y a la possibilité de faire un relais jusqu'à du 12 volts. Je crois que c'est ici, c'est les broches qui sont en haut. Ici, il y a le branchement direct pour un moteur en DC. Il y a vraiment tout un tas de. Enfin, moi, j'ai pris celui où il y avait pas mal de choses pour pouvoir faire plein de petites vidéos d'explication. Donc, il y a des LED de plusieurs couleurs. Toujours pareil, hein, sur des supports. Il y a une plaque qui est fournie. On va la sortir. C'est fait pour. Alors, avec mes gros doigts, évidemment. On ne peut pas tout avoir d'un coup. Il y a un très joli câble tressé USB que j'utiliserai avec grand plaisir. Même si j'ai tendance à utiliser mon câble USB mini qu'on peut utiliser dans les deux sens de chez Adafruit. L'électronique en EHPAD, tu m'étonnes. Mais petit aparté, là c'est compliqué avec la situation sanitaire et tout ça. Mais autant je m'éclate à faire les ateliers avec Mixtine, avec les enfants, autant j'adorerais faire des ateliers d'initiation avec des personnes beaucoup plus âgées. Parce que pour l'avoir eu fait quand ma grand-mère était encore de ce monde, c'est pas une population qui rejette la technologie. Et ce serait sûrement très intéressant de voir ce qu'ils ont à dire et à apporter dans tout cet univers-là. Donc voilà, je continue de vous montrer. Il y a un petit, voilà, un petit afficheur à segments. Ici, on a un petit capteur ultrasonique pour la distance. Et. Pensez-vous qu'avec mes gros doigts je vais y arriver, sinon on va tricher. Dans tout mon bazar, voyons voir. Hop. On va y arriver. Hein. Hop. Donc là, comme pour le kit Patrice que tu as, on a des. Oui, avec Parkinson, on peut adapter les tas de trucs. Ouais. On peut segmenter les zones si on le souhaite, hein, comme dans le kit qu'on avait. Et bien sûr, après, voilà. On va pouvoir mettre là. L'idée étant, quand on fait les montages, de mettre un bout de scotch conducteur, de plugger comme ça. On peut plugger aussi légèrement en hauteur hein, si on souhaite surélever la carte, voilà, ainsi de suite. Donc, ça fera l'objet de montages qui, bien évidemment, m'amèneront malencontreusement à acheter du Lego. Je suis bien obligé, comprenez? J'ai pas le choix. La petite carte, hop. Microbit V2, donc ben, c'est un connecteur très simple. Hein, on la branche. Hop, voilà. Ici, si je prends la partie du kit avec le petit servomoteur, donc c'est un servomoteur qui est déjà avec, vous voyez, de quoi le brancher sur un montage Lego si on souhaite, hein, si on veut faire autre chose, l'intégrer à autre chose. Ils vendent évidemment, hein, là j'ai pris un kit minimal pour commencer, je verrai si je vais plus loin, j'achèterai des pièces complémentaires.
Alors, est-ce qu'il existe les modèles 3D en download? C'est une excellente question. Je fais rapidement cette petite démo et de toute façon, je voulais montrer leur site. Donc on regardera ça. Voilà, donc il y a ça. Hop. Ça, c'est si vous avez déjà fait du Lego Technique, c'est une pièce qu'on retrouve régulièrement. Donc, pour l'exemple, pour avoir quelque chose d'un peu visuel, on va le foutre comme ça. Hop. Ensuite, on va le brancher. Hop, ça branche 0 si on veut. Donc, le moins ici, c'est le plus proche de la carte qui est avec le fil marron ici tout en bas. Hop. Je fais des cascades. Je suis en train de faire toutes ces opérations à pratiquement 50 ans sans lunettes. Mon Dieu, roulement de tambour. Voilà. Ensuite, ça va être le moment où je ne vais pas retrouver le cordon USB que j'utilisais. Évidemment, parce qu'il faut quand même la brancher, cette brave petite carte. On va en prendre un autre. Le voilà. À tout rendre flou, j'ai vraiment fait une catastrophe dans les réglages. Bravo, bravo le youtubeur. Alors, la cascade sans les lunettes, ça a vite ses limites quand on arrive à ce format-là. Si je lui demande un petit. Voilà, comme ça vous allez mieux voir. Alors des STL de Lego, il y en a, mais la question c'est peut-être les modélisations de leurs pièces. Est-ce qu'ils ont fourni des modèles 3D de ce qu'ils font? Alors le micro USB-C, je ne vais pas pouvoir vous montrer le fameux câble, je vous le montrerai à l'occasion sur la caméra. J'utilise un câble USB de chez Adafruit qui marche en. Alors c'est mini USB celui-ci, micro c'était l'autre, je sais plus. Et on peut le plugger dans les deux sens, donc c'est pas mal. Alors je vais essayer de vous montrer sans gourer. Tac tac tac, pas du tout. On va y arriver. On va y arriver. Ça va pas être la bonne webcam tout de suite, si c'est bon. Voilà, super. Donc là, vous voyez normalement mon écran et la caméra sur le montage. Voilà. Pendant que ça continue de se moquer, vous moquez pas trop, hein. Vous êtes pas loin du public concerné par mes ateliers pour vieux. Hein, Patrice? Donc là, c'était ouais, leur page Kickstarter. Je vous fais la démo, puis on montrera le reste. Donc ça fonctionne. Là, je suis sur une carte Microbit. Ils annoncent qu'ils sont aussi, je crois, compatibles avec la Adafruit Clou, qui permet de faire d'autres trucs. Toc, je devais avoir un projet vide, là, je crois. Ouais, voilà. Donc on retrouve tous les éléments classiques. Pour l'instant, j'ai pas fait le tour de tout, mais il n'y a rien de propre à Brandog, puisque derrière, par exemple là, pour l'exemple sur le servo moteur, on va simplement rajouter l'extension de MakeCode qui permet la gestion des servo moteurs. Et pourquoi elle n'apparaît pas directement? C'est l'extension qui s'appelle cerveau et histoire de m'embêter, elle apparaît pas directement. C'est quoi ça? Ils ont changé entre ma démo de tout à l'heure et maintenant. Puisque c'est comme ça, je vais pas me fâcher. On va pas y passer 3 jours. J'ai évidemment fait un exemple tout à l'heure. Ouais, elle est ici en fait. Ok. Donc là, j'ai fait un exemple tout simple. Monsieur Patrice, prenez des notes. Je vous montre la version en bloc et avec toi, on fera un certain nombre de choses avec ton ESP32 et MicroPython.
Ah, t'inquiète, Bbox, je pense que je sais où c'est, mais on va pas. En live, je me permets pas de vous faire perdre autant de temps. Quand j'enregistre, c'est bien le genre de choses qui me rend fou, ça, mais bon. Donc là, tu as la partie d'initialisation où on va mettre une variable angle à 0. On l'envoie avec la commande de pilotage de servomoteur qu'on a ici, dans cette catégorie-là, pour piloter les servomoteurs, on a un certain nombre d'instructions. On le met à la valeur d'angle qui est bien sûr à 0 pour l'instant. Et puis ben, j'ai fait quand j'appuie sur A, je diminue l'angle de 10. Quand j'appuie sur B, j'augmente. Et si tout se passe bien, on devrait voir quelque chose se produire. Alors il faut que je déplace un peu ce que vous voyez en dessous. On bougera peut-être après, on verra. Je vais le télécharger. Hop. Donc, comme d'hab là. Toi, c'est plus facile qu'avec une VSP32, ce que je t'expliquais, Patrice, hier. Les cartes Microbit et un certain nombre d'autres outils, par exemple de chez Adafruit, ont une gestion de USB qui permet de mixer une gestion comme une clé USB avec un file system et puis il exécute ce que tu lui envoies. Donc là, la carte est en train de flasher. Je pense pas que vous voyez le petit si, derrière. Voilà. Le petit bruit que vous entendez, c'est les ventilos qui se sont mis en route et. Ma chère Jazz, ma chienne star, qui vient réclamer maintenant une caresse indispensable. Et voilà, donc je pourrais rebasculer quand même, faire ça propre. Allons jusqu'au bout. De la blague, ce que j'ai essayé tout à l'heure ne marche absolument pas parce qu'il a raté son téléchargement visiblement. Mais c'est génial! Ouais, le système est bien, mais tu vois, là aujourd'hui, ils ont décidé que comme je faisais un live, ça allait poser problème, sinon c'est pas rigolo. Mais c'est pas grave, même pas peur, on recommence. Donc là, pour info, derrière, là, je suis juste en train de. Recompiler, re-sauvegarder. Donc là, il est bien en train de flasher. Ça marche super bien sur Windows, mais ça marche bien de partout. Chromebook, tablette, je l'ai fait avec tout. Sur mes gros doigts qui ont fait une bêtise dans le montage. Ah, je pense que là, il l'a initialisé correctement. Voyons voir. Allez, c'est bon. Je sais pas ce que j'avais fait encore. Voilà. Donc, il y a ici. J'appuie, ça augmente l'angle. Et si je diminue, ça diminue là. Pour info, c'est pas un servomoteur continu. Donc là, il est en butée, par exemple. Je peux pas descendre en dessous. Voilà. Et si je vais complètement de l'autre côté. Hop. Voilà, là, il est au maximum aussi. Mais bon, ça permet déjà une bonne latitude dans les mouvements qu'on va pouvoir faire. C'est déjà, je trouve. C'est pas un 360, non. Non, non, c'est pas un 360. Alors, tac, tac, tac. Je vais vous montrer rapidement. Voilà, donc là, quand je vous dis qu'il y a d'autres projets, après, bien sûr, ce qui est intéressant, c'est qu'il propose déjà beaucoup d'activités. Circuit, donc dans les projets Microbit, il y en a tout un tas. Moi, celui qui me fait beaucoup rire, je pense que je vais essayer de trouver un xylophone pour enfant, c'est celui-ci. Ou je suis pas sûr que vous ayez le son en même temps, c'est pas très grave. On va voir. Je pense que vous avez le son. Dites-moi si vous avez le son du merveilleux xylophone. Voilà, et donc là c'est un projet ben voilà, je pense que j'ai peut-être pas exactement les pièces dans la boîte mais il doit me rester encore un petit peu de Lego technique ou des choses comme ça. Sinon tant pis, je serai obligé de racheter du Lego moche hein. Je ferai ce genre de projet, moi ça me fait beaucoup rire, je referai du détail. Donc là ils expliquent tout hein. Il y a vraiment toute une série de projets très très bien détaillés.
Donc en même temps que je vous le montre, je réagis que j'ai un seul servomoteur. Donc déjà, je sais que je vais racheter des choses chez Brown Dog. Mais on verra en fonction des expériences que j'aurai faites avec. Donc ouais, voilà, je n'ai pas vu au passage. Je leur poserai la question s'ils ont les fameux modèles 3D de leur pièce. Voilà, un petit modèle de X-Wing motorisé. Enfin, voilà, ils font plein de choses donc je trouve super rigolote. En même temps, voilà, des projets avec du capacitive touch. Enfin, y a pas mal de choses. Et ils ont malgré tout déjà voilà, des kits autres. Tout un système. Alors dérivé de la beadboard ou pas, y a plusieurs choses possibles. Et je sais pas s'ils ont toujours. Oui, s'ils ont toujours. Ils ont même des. Donc avec le système avec les scotch conducteurs, on peut imaginer des objets avec de l'électronique fabriqués en papier, en carton, comme là une pince à linge. Ça peut aussi être, sans parler de l'aspect programmation, on peut aussi commencer à faire beaucoup de choses en initiation avec une paire de ciseaux, du papier, on leur imprime des plans, ils collent des choses. Je pense que c'est quelque chose à creuser parce que c'est vraiment bien fait. Voilà, là il y a aussi par exemple on pilote un ventilateur avec un système pour faire des petites bulles. C'est mignon comme tout. Moi, je trouve que ils ont plein d'idées. Ça implique pas forcément beaucoup plus de techniques que plein d'autres tutos que vous pouvez croiser sur internet, mais c'est vachement ludique. Le côté Lego il est certainement pour beaucoup, mais même je trouve qu'ils prennent la peine de proposer des choses ouais, vraiment intéressantes. Donc voilà pour ce que j'avais à vous montrer avec ce merveilleux kit de chez Brandog qui va me servir à faire, j'espère, un tas de jolies vidéos. Je vais essayer. Ok, toc toc toc. Nous y voilà. Ouais, je vais pas tout redémonter encore une fois. On va terminer comme ça. Je voulais aussi vous dire que effectivement hier nous avons fait notre petit point avec Padawan Patrice, le pharmacien de l'extrême, je t'appelais comme ça maintenant. On a fait un petit tour avec le kit que je vous ai présenté l'autre jour de Freenov. Ben, Patrice était très bien débrouillé, mais il y avait quelques petites questions de détails de fonctionnement. On a un peu épluché. L'interaction que je trouve super sympa de l'IDE Tony, qui est un IDE très simple pour faire du Python et du micro-Python et du circuit Python, et qui permet vraiment, avec un ESP, je trouve, de faciliter le chargement des programmes sur l'ESP. On peut aussi avoir une exécution à la volée, on peut accéder au shell en interactif, il y a tout ça. Et je vais essayer d'enrober un petit peu le petit bout de vidéo qu'on s'est amusé à faire. Merci encore Patrice à la fin de notre petit échange. Et puis bah ça nous fera notre première vidéo de découverte de ce kit, de la programmation et de l'ESP. D'accord, Bbox. Donc tu vas te faire un peu de Python avec cet ESP. Bah écoute, bienvenue à bord. Si je peux aider, je t'aiderai. Mais je pense que tu es un grand garçon, tu vas te débrouiller. Sinon, Patrice pourra te donner des conseils. C'est maintenant un expert. Vous verrez dans la vidéo. Il vous expliquera comment manipuler Charlie et Denise pour faire un soft reset ou interrompre et passer en mode interactif. Donc voilà, moi je me suis régalé. J'ai adoré. Donc Patrice, continue. N'hésite pas avec tes questions. On se fera des sessions spécifiques. Je suis vraiment convaincu qu'au-delà du public, on va dire, d'enfants que j'arrive à toucher parfois avec les vidéos dédiées, avec les micro-bits et autres, et ces choses plutôt éducatives, mais quand même axées jeunes, je suis convaincu qu'il y a des tas de gens qui n'osent pas se lancer. Et finalement, je pense qu'on peut dire, Patrice, que tu n'as pas eu de difficultés monumentales à comprendre ce qui se passait. Faut juste oser se lancer et. Exactement, et c'est exactement là où je voulais en venir. La plupart des gens ont déjà un ou des hobbies. Ne faites pas comme moi, n'en ayez pas des dizaines, sinon on s'en sort plus en termes de planning. Mais je pense qu'il y a beaucoup de hobbies où un petit peu, pas forcément monumentalement complexe, mais un petit peu d'électronique, un petit peu de code,
et vous allez pouvoir vous faire plaisir dans votre hobby de départ. En l'occurrence, là, c'est le modélisme. Et j'espère qu'on pourra, d'ici quelques mois, je ne sais pas exactement, vous montrer des réalisations que Patrice aura fait dans des, je sais pas, des dioramas, des contrôles de son circuit, je ne sais pas. Il dit, alors, je pense que il y a plus de vieux comme nous intéressés que de jeux ou que de jeunes, ou au moins autant. Oui, mais je pense vraiment que ça concerne tout le monde et ça c'est un truc de toute façon, même avec Mixtine, j'ai toujours essayé de dire comme ça. Je pense qu'on est arrivé à un système pour ce qui est de l'électronique et de l'autre côté pour ce qui est du code, où on peut, sans en faire un métier, sans... voilà, c'est juste une série de compétences qui sont accessibles à tous. Après, on peut plonger dans les arcanes comme là, d'un microcontrôleur en ESP32, plonger en C au fin fond de ce qu'est capable de faire cette carte, aller utiliser... je sais pas, le deep sleep pour avoir une consommation d'énergie très basse, on peut optimiser un tas de trucs, mais n'empêche que avec ce genre d'outils, tout le monde peut améliorer son petit hobby à côté, quoi. Je veux dire, mais que ton fils rigole. Donc ton fils s'est permis de rigoler quand tu as dit que tu apprenais le code sur Twitch. Eh ben écoute, j'invite ton fils, quand il le souhaite, à venir discuter. Soit en vidéo à côté, soit pendant un Twitch. Je le prendrai en invité avec grand plaisir et je suis sûr que lui aussi, il a des choses à apprendre et il a sûrement des choses à nous apprendre. Donc tu peux lui dire qu'il est le bienvenu. Je suis sûr qu'on arrivera à faire des choses. Ouais, je sais, j'ai pas peur de Lo Corso. Ouais, faut que je fasse attention avec tous ces gens-là qui viennent d'une île un petit peu susceptible parfois. Un petit peu sensible, n'est-ce pas? Donc voilà, je pense que c'est vraiment le bon mix pour moi d'avoir quelqu'un qui débute comme Patrice et qui ose se lancer. Et je trouve ça très très bien, monsieur Patrice, que vous ayez franchi ce pas. Et sache que ce soit avec moi ou pas, je sais déjà que tu es sur les bons rails. Tu as fait clignoter une LED, tu as fait clignoter ou interrompre une LED. Avec un bouton, tu sais rajouter un print au milieu de ton code pour savoir où est le problème. Sache que tu as déjà 80% de l'équipement de ce que les autres ont autour de toi. Donc tu es déjà très bien parti. Et bien sur ce, j'espère que vous allez passer une bonne après-midi. J'ai essayé de faire attention de ne pas provoquer trop d'achats chez Bbox aujourd'hui. Mais j'ai peur de revenir régulièrement avec des montages, avec du Lego qui vont faire envie à d'autres. Et je suis sûr qu'on doit pouvoir combiner tout ça. Je pense qu'on finira dans quelques mois, je vous le prédis ici, à faire des montages avec Brown Dog et des locomotives en Lego. Je pense qu'on peut arriver à cumuler tout ça. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis, on se revoit. On se retrouve très bientôt. Et je vous souhaite une bonne journée. Salut!